Tout comme les Perséides, il s'agit d'une pluie d'étoiles filantes annuelles. On les appelle les Orionides, car elles viennent de la même direction que la constellation d'Orion, mais elles n'ont en fait rien à voir entre elles. D'abord, il y a la comète de Halley. Elle est bien connue et passe devant la Terre tous les 76 ans. La dernière fois, c'était en 1986, précise Gilles Dawy de Wiggs, vice-président de la Société astronomique de France et président de la commission de planétologie. Comme toutes les comètes et autres objets célestes, elle laisse derrière elle ce qu'on peut qualifier de poussière lorsqu'elle passe à proximité du Soleil. Et agglutinées, ces poussières forment un tore. Une traînée que la Terre croise tous les ans. Ce sont ces poussières, se déplaçant à quelques 67 km/s, qui, en entrant dans notre atmosphère, se désagrègent et brûlent, créant ce visuel magnifique que l'on appelle une étoile filante, explique le vice-président de la Société astronomique de France. Le phénomène a démarré aux environs du 2 octobre et devrait se terminer début novembre. À noter également dans son agenda, les Orionides seront suivies, quelques jours plus tard, le 25 octobre précisément, d'une éclipse partielle du Soleil. Phénomène qui n'est pas particulièrement rare, mais qui pour autant peut valoir le coup d'œil protégé, bien entendu, comme quoi, il suffit parfois de lever les yeux pour assister à un beau spectacle.